Du déplacement d'Emmanuel Macron en banlieue cet après-midi dans le cadre du grand débat national. On se souvient de la présentation du plan banlieue par le président de la République, plan orchestré par Jean-Louis Borloo. Et on sait ce qui s'en est suivi. Yacine Bellatar, est-ce que Jean-Louis Borloo, que vous connaissez bien, sera présent cet après-midi lors du déplacement d'Emmanuel Macron en banlieue? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il a surtout eu ces derniers temps... il était dans une période de deuil, donc je ne sais pas s'il sera là physiquement. De deuil du plan ? Non, personnel. Pardon. Dire qu'il y a un deuil du plan, ça voudrait dire qu'à un moment... Ils ne sont plus du tout en contact, Jean-Louis Borloo et Emmanuel Macron ? Je pense qu'ils sont plus ou moins en contact, mais vous savez, Emmanuel Macron est quelqu'un qui consulte énormément. Ce qu'il consulte Jean-Louis, j'ai pas son portable, je sais pas. En tout cas, je sais que Jean-Louis est quelqu'un qui est extrêmement écouté, puisque... A priori, ces derniers temps, on ne l'entend pas parler. Il brille par le fait de peu parler. C'est quelqu'un de plutôt fidèle et légitime, Jean-Louis Borloo. Donc, il sait très bien qu'aujourd'hui, dire une petite phrase, relancer une séquence, comme beaucoup se sont amusés à le faire ces derniers mois, il faut oublier qu'Emmanuel Macron a été discrédité de l'intérieur. Gérard Collomb, Nicolas Hulot, c'est des hommes qui l'ont affaibli de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est pour ça que les Gilets jaunes, c'est un aboutissement, ce n'est pas un commencement. Est-ce que la déception liée au plan Borloo explique aussi cette résignation face à la participation du grand débat national? Alors, on se dit, voilà, c'est encore une nouvelle déception, donc à quoi bon? De toute manière, je vais vous dire quelque chose. Que ça soit Jean-Louis Borloo, et je vais le dire sur votre plateau, ça va me faire des amis, ou Emmanuel Macron, le problème de la France n'est pas lié aux hommes politiques. Que des gens critiquent Emmanuel Macron, vous savez, moi j'ai de l'amitié pour l'homme. Sur l'homme politique, vous pouvez dire ce que vous voulez, tout peut être compréhensible. La réalité, c'est que la machine technocratique, qui n'a pas de visage, qui gère ce pays, n'en a strictement rien à foutre des calendriers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel homme politique, même un président de la République, s'il veut enclencher des choses, il a affaire à une telle concentration des pouvoirs à Bercy, par les Men in Black, comme je les appelle, ils ont tous un costard comme les Men in Black. Ça, c'est très gilet jaune comme réflexion. Non, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, le plan banlieue, c'est facile d'arriver sur des plateaux télé et vous dire, on va mettre 400 milliards. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, aujourd'hui, quelle que soit la somme qui va être dite, les gilets jaunes vont le prendre contre eux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a fait que ça a commencé à bouger dans les quartiers, c'est quand on a vu qu'on a déplogué 10 milliards d'euros aussi rapidement pour aussi peu de gens. Parce que mine de rien, les gilets jaunes, ce n'est pas des millions de gens. Vous faites un calcul très simple. Il y a 135 000 gilets jaunes à peu près. On a débloqué 10 milliards. Il y a 14 millions de personnes qui vivent dans les banlieues. On fait comment alors? Est-ce qu'on multiplie? Ben non. Ce n'est pas 10 milliards pour 135 000 manifestants. C'est 10 milliards pour des gens qui vont bénéficier. Mais en tout cas, le mouvement... Qui n'ont pas forcément les gilets jaunes et qui ne sont pas forcément dans les manifs. Absolument, mais je ne suis pas en train de dire que c'est de l'argent inutile. Je suis en train de vous dire aujourd'hui que les Français sont plutôt pragmatiques par rapport à la politique. Ils ne se posent pas les questions qu'on se pose aujourd'hui. Ils se disent c'est très facile en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de quartier qui m'ont dit, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut se faire entendre. Il faut aller sur les Champs-Élysées, tout casser. Et là, à ce moment-là, on rentre sur votre radar. Et ça, c'est quelque chose de, pour moi, dangereux, voire consternant. William ? Malheureusement, on n'a pas attendu la crise des Gilets jaunes pour s'apercevoir que politiquement, la violence payait. On le voit bien. La France est un pays qui avance, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que le mot soit légitime, à coups de violence, et notamment quand Macron, au rebours d'ailleurs de tout ce qu'il caractérise, a donné satisfaction aux zadistes, c'était à mon avis une très grande erreur politique. Je fais à peu près la même analyse sur la technostructure. Il n'empêche que si je m'essaye encore une fois à l'objectivité avec le macronisme, je pense que Macron n'a pas fait de bien. Je pense que l'image des députés n'a pas été rehaussée par l'arrivée de députés enseigne macroniens qui n'incarnaient quand même pas un renouveau très intelligent de la pensée politique des députés. Donc tout ça est quand même a eu un facteur aggravant. Quant à l'argent, Yacine Bellatar, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Les 10 milliards qui ont été débloqués, ils ont été débloqués parce que l'État était en panique. Donc ça implique qu'il faudrait que les banlieues chauffent et soient violentes. Oui, non, mais on a donné beaucoup d'argent. C'est mieux ça dans votre bouche, Audrey, que dans la mienne. On a donné beaucoup d'argent dans les plans Marshall sur les banlieues. On a entendu tellement de choses. Il n'y a pas que l'argent. Vous dites depuis tout à l'heure que le pays n'avance que par la violence. C'est pas vrai. Est-ce que c'est par la violence que les banlieues doivent faire avancer leur cause? Si je prolonge votre raisonnement. Vous parlez à quelqu'un qui, même sur la crise des gilets jaunes, a commencé déjà à être dans le reculoir dès l'instant où j'ai vu l'utilisation de la violence. Moi, je suis un démocrate pathologique.
y compris d'ailleurs, j'essaye d'être juste, même à l'égard des Gilets jaunes, parce que quand on a été interrompu, même si je suis assez sévère par rapport à un mouvement que je ne comprends pas parce qu'il est incompréhensible, j'ai été excédé par le fait qu'on veuille taxer les Gilets jaunes d'antisémitisme, parce qu'il y avait, trois connards avinés dans une rame de métro qui faisaient un mauvais parti à une pauvre dame juive. Ça n'a aucun sens. Mais c'est un petit peu le sujet de mon bouquin dont on parlera tout à l'heure. Donc, je veux dire, on est, et je crois que là-dessus, on est d'accord, on est dans une période complètement dingue, qu'il est très difficile d'interpréter avec notre bavardage. On obtient 10 milliards parce qu'il y a eu des violences. Signal, il est épouvantable. Voilà. Donc, mais il est épouvantable. Qu'est-ce qu'il renvoie aux banlieues? Mais c'est pas le premier signal, parce que la banlieue, elle peut être violente, les gilets jaunes, ils peuvent être violents, et les paysans, ils n'ont pas été violents quand ils ont saccagé le Parlement de Rennes. C'est une des tristes spécificités françaises dont on aurait tort de s'enorgueillir. Alors, on se souvient tous de la passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur entre Gérard Collomb et Christophe Castaner. Voici le constat que faisait le ministre de l'Intérieur à l'époque des quartiers. Je suis allé dans tous ces quartiers. La situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, qu'il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Est-ce que cette crainte-là, Yacine, vous la partagez ? Pas du tout. Alors moi, je fais partie des gens qui pensent que Gérard Collomb est un escroc. Ah, carrément. Donc, vous avez un peu fort, peut-être. Mais non, mais c'est un escroc. Il faisait un constat parce qu'il partait du ministère qu'il n'aurait pas pu faire quand il y était, quoi. Vous savez, c'est assez rare. J'adore cette émission parce que je pense que rarement vous me verrez dire que je suis d'accord avec Gilles. Mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, La République En Marche a aussi brillé par le fait de mettre au pouvoir ou en avant des gens qui ont une incompétence avérée. Emmanuel Macron qui l'a choisi, Gérard Collomb. Absolument. C'est comme lui qui a choisi Nicolas Hulot. Je pense que si vous lui reposez la question de savoir s'il va le refaire, je ne pense pas. Enfin, Gérard Collomb, il lui doit beaucoup. C'est lui qui l'a beaucoup aidé à être élu président aussi. On n'aide pas quelqu'un à arriver au pouvoir. Par loyauté, non ? Non, mais je pense que Gérard Collomb, il faut remettre la scène. Il vient de donner sa démission sans prévenir. Et en gros, il laisse après moi le déluge. C'est-à-dire que dire ça aujourd'hui, on vit face à face, côte à côte, cette formule n'avait aucun sens. Déjà, parler de reconquête républicaine, c'est quelque chose de grave, parce que ça voudrait dire, si on prend étymologiquement le sens de la phrase, ça voudrait dire que c'est des endroits où il n'y a pas la République. C'est pas vrai. C'est des endroits où il y a des fortes tensions qui sont liées à un historique qui est lourd, mais par ailleurs, c'est un endroit où la police peut encore aller. Alors, certes, moi, je suis le premier à avoir envie de vomir quand je vois que des pompiers sont agressés par des mômes, ça, il n'y a pas de souci. C'est des endroits où c'est difficile au moins d'y aller. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est intrinsèque à la banlieue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des endroits en France, les endroits reculés a priori, dont on ne s'est pas occupé, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que c'est très facile pour nous de venir nous pavaner sur les plateaux télé. Mais il y a des gens aujourd'hui en France, quand vous voyez in fine la revendication des Gilets jaunes, leur plus grand moment de fierté, c'est se retrouver sur un rond-point, parce qu'en fait, ça leur crée du lien. Vous savez, quand quelqu'un habite en banlieue, à côté d'une grande ville, qu'il n'a pas de théâtre, qu'il n'a pas de transport en commun, je viens de parler avec le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, qui est le patron de l'ANRU. L'Agence nationale de rénovation urbaine. Absolument. Moi, je suis pour l'Agence nationale de rénovation humaine. Je ne dis pas qu'ils sont inhumains là-bas dans les quartiers. Mais je dis que si à un moment, on ne met pas l'humain au centre de tout, alors je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gilles. Ce n'est pas un problème d'argent massif. C'est-à-dire que parler en milliards, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que c'est une somme qui peut troubler. Mais c'est l'idée de savoir où va l'argent. S'il y a un traque-fin pour l'argent concernant Daesh, il doit y avoir un traque-fin concernant l'argent des Français, de se dire, quand on rénove physiquement qu'on a fait un quartier... Qu'est-ce qu'on a fait du pognon, comme dirait Jacqueline Mourin. Rénover physiquement un quartier, rénover l'immeuble, c'est une chose. Mais se poser la question de savoir de qui vit dans ces quartiers-là et de quelle manière on va les concerner à un projet de réhabilitation du quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils rénovent des quartiers à Paris, ils ne vont même pas dans le quartier qu'ils ont rénové. Donc William, ça, c'est une vraie question. William, les propos de Gérard Collomb, ce constat, vous le partagez ? Non, je ne pense pas du tout qu'il soit caractéristique d'une escroquerie.
Avant Colomb. Mais sur le constat qu'il fait des lorsque quartiers. Lorsque Hollande faisait des confidences vespérales à deux journalistes du Monde d'Ave et l'Homme, et qui parlait de ce qui se passait en banlieue, il n'avait pas non plus une vision très irénique de la banlieue. Lorsque Dave et l'Homme, dans leur livre, ils expliquent ce qui se passe en banlieue, ce n'est pas terrible non plus. Je crains que demain, on vive face à face, disait Gérard Collomb. C'est votre crainte aussi ? Les Juifs se sont barrés de la banlieue. Faut dire ce qui est. Donc, vous savez, dans n'importe quel pays du monde, mais vraiment dans n'importe quel pays du monde, vous arrivez dans un coin, on vous dit que c'est la guerre, vous êtes dans un coin, mais je ne vois pas la guerre. On peut avoir, vous savez, des visions très différentes en fonction de l'heure, en fonction du quartier, etc. etc. Mais, pardon, mais je pense que malheureusement, la vision qu'on a aujourd'hui des banlieues, et encore une fois, pas uniquement pour des raisons sociales, pour des tas de raisons, elle doit être quand même assez lucide. Mais allez, je vois pas... Dans deux minutes. D'accord. Le « je ne vois pas », ce sera dans deux minutes. Restez avec nous. On revient tout de suite.